une partie plate et avec du sable tout bien clément. Donc c'est du sable qui est fait pour la pluie, on a un petit peu de pluie ici quand même de temps en temps. Est-ce que c'est le meilleur cheval de ton écurie? Ah ouais, j'ai des bons V, hein. J'ai Virgius du Mazza, un bon cheval monté. Mais ouais, c'est le meilleur, en classe d'attelage, c'est le meilleur. Ouais. Seb, tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est un pédilu, c'est de l'eau du forage qui vient de 70 mètres de profondeur, je crois, qui est à 2 degrés, qui est propre. Et après chaque travail, les chevaux y vont. L'après-midi, on les met une demi-heure chacun. Et puis après, on leur met de la terre. Et... Ça permet quoi, de refroidir les tendons? Ouais, ça refroidit bien. Et les chevaux qui ont un petit peu des molettes ou un petit peu les jambes un petit peu engorgées. Et même pour les articulations, à mon avis, c'est pas mal, hein, de refroidir comme ça. Sélection sur les chevaux que tu as à l'entraînement ici? Ouais, j'ai 40 chevaux, mais j'entraîne pas de chevaux qui me plaisent pas, quoi. Quand ça me plaît pas, je garde pas, quoi. Après, je dis pas que j'ai que des bons chevaux, mais les chevaux provinciaux, il y a des bons chevaux provinciaux qui gagnent bien leur vie maintenant avec les réunions PMU. Mais c'est vrai que quand ils me plaisent pas, je garde pas. Bah ouais, dans les jockeys, bah forcément Pierre il m'a fait mener pratiquement tous ses bons chevaux et puis forcément je suis habitué à sa façon de faire et j'aime bien. Après il y a mes amis David Thomas, Damien Boone. Et puis voilà, ça, les drivers ça manque pas, hein. J'ai pas mal d'amis dans le métier et si j'ai besoin, et je sais qu'ils sont là. Dernier kilomètre 16. Ah oui, oui. On avait passé il y a 15 jours ici pour la travailler. Je suis resté derrière les autres. La vie, c'est bon. J'ai vu, je tenais avec lui. J'en ai d'autres juste après. Vas-y, filme et tourne. Eddy, c'est une bonne love you qu'on a vue aujourd'hui? Ouais, je pense que vous avez vu une bonne pouliche, ouais. Je l'avais emmené il y a 15 jours ici à passer pour y apprendre un petit peu comment c'était d'être dans le peloton parce que c'est une jument un petit peu nerveuse. Et là aujourd'hui, au kilomètre, j'ai envoyé. Moi, super, je pouvais aller plus vite encore. Elle a eu un passage de classe là? Ah ouais, parce que je suis parti gentiment pour pas la brusquer. Puis après, dès que j'ai envoyé, mais il n'y avait personne pour finir. Hein.
Dans l'essai, est-ce que c'est ce que tu as de mieux ou fais peur un petit peu à tes adversaires? Ah, je ne veux pas faire peur à mes adversaires, mais ça fait une douzaine là que je qualifie. Je crois que je suis pas mal dans l'essai. Celle-là fait partie des bonnes femelles. Franck, elle le fait avec la manière? Ah ouais, bon dernier kilomètre et puis une jument qui a bien dans la tenue, bien dans la vitesse, c'est bien. Ouais. Pareil, point de comparaison par rapport aux autres que t'as pu qualifier, que t'as l'entraînement? Celle-là, je vais peut-être la garder quand même parce qu'elle a de la tenue et puis elle fait ça toute seule, donc je vais peut-être la garder pour l'automne. Tout n'est fait que de détails. Donc, si tu laisses partir dans tous les sens, ou que chacun fait sa petite sauce, ou que machin, c'est mort. C'est mort. C'est tout n'est fait que de détails. Et c'est à force de détails qu'on arrive au bout de la chaîne, et puis que la course arrive, et qu'on peut être performant. Est-ce que ça désorganise une écurie? Ah oui, 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 totalement. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. Ils sont tous en train de nous dire, ah, vous ne plaignez pas, vous avez beaucoup de courses, tout ça. Mais non, non, moi je tiens un autre discours. Hein. Puis je le dis, c'est pas de souci. Hein. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu veux maintenir le cap de tout ça, bon, bah, faut suivre de partout. Donc ça veut dire du personnel en plus. Bon, bah, le personnel, il vient pour là pour te faire plaisir, il faut le payer. Hein. Il y a des charges là-dessus, il y a tout ça. Non, non, on vit carrément au-dessus de nos moyens. Malgré qu'il y ait plein de courses partout, hein, c'est sûr et certain. Moi aussi j'étais content de le trouver. Ouais. Faut de l'argent tous les mois, alors quand on a les chevaux, on les utilise. Enfin moi je sais personnellement, j'ai jamais eu un cheval dans mes box qui allait très vite en partant en vacances. Quand il va très vite, j'utilise le maximum parce que voilà, tout est une question d'argent et s'il est capable d'en faire, je vais pas le mettre au champ, je l'emmène plutôt aux courses. C'est plus mon truc. C'est aussi un petit peu, c'est un peu le meeting des Normands. Oui. Vous aimez bien briller les Normands pendant cette course. Ouais, bah moi j'aime bien briller partout. Cabourg, ce qui nous gêne un petit peu, c'est les courses, c'est le déroulement des courses. Quoi. C'est pas plus sélectif que ça, mais il faut beaucoup de chance, oui, parce qu'on s'en va mettre 16 chevaux à un endroit où il n'y a la place qu'à 14, alors oui, bon, ou 12 même, ou 12, hein, plutôt 12. Hein, donc ça fait 4 de trop, à mon avis. Mais bon, ça c'est toujours pareil, il faut du jeu, il faut des partants, mais on ne s'occupe pas des gars qui ont bossé toute la semaine ou tout le mois dernier pour préparer le cheval et puis qui se font vendanger au bout de 5 mètres de course. Hein, ce qu'il faut, c'est des partants. Mais il n'y a pas assez de place pour démarrer. Il n'y a pas assez de place. Entraîner des chevaux, il faut... Si on n'en a pas beaucoup, c'est bien, enfin c'est bien, et s'ils sont bons, c'est très bien. Mais disons, avec tout ce qui leur arrive aux chevaux, on se retrouve vite avec une écurie vide. Hein. Parce que tous les jours, il y a quelque chose qui nous arrive, on n'avait pas trop prévu quand même. Hein. Quand j'entends des gars, des fois, dire de leur entraîneur, il m'a cassé mon cheval, c'est des trucs qui... Comme si... Voilà, non, on ne casse pas les chevaux, c'est les chevaux qui cassent.
Voilà, c'est tout. On trouve normal d'aujourd'hui d'ouvrir le turf tous les jours et de voir des courses qui marchent 13, 14. Tout le monde trouve ça normal. Par contre, il faut quand même se mettre dans la tête que pour arriver à faire ça, on n'a pas fait ça qu'en les brossant, quoi. Il a fallu aussi faire des tours de piste. Hein, parce qu'on n'a pas fait que de graisser les pieds et que de brosser l'après-midi. Hein. Non, le matin, il a fallu usiner. Donc, l'entraîneur ne casse pas ses chevaux. C'est le cheval qui casse parce qu'il n'a pas été capable de supporter le régime. Et puis voilà. Mais le gars, il n'en a pas fait exprès de casser son jouet. Hein, parce qu'il mange avec. Alors, non, oui, il nous arrive toujours des trucs... Ben voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, c'est celui qui a arrêté. Là, l'autre s'est fait opérer. J'ai 3 poulains d'arrêter à un autre bon cheval là-bas parce que des morceaux d'os, ils ont été opérés le mois dernier. Bon, ben voilà, ça fait 3 chevaux sur la touche qui normalement auraient dû travailler. Donc si j'ai pas les autres à côté, on lave les camions puis on les met au garage pour 6 mois. On n'a plus besoin d'aller aux courses. Donc non, il faut quand même avoir une quantité de chevaux pour que ce soit régulier, quoi. Ça rend les courses moins régulières que ça devrait, à mon avis. Il évite beaucoup. Oui. Bah oui, je suis pas le seul à être baisé. Hein. De toute façon, un entraîneur, il peut pas mentir. Un gars qui a de la réussite, il peut mentir pendant 3-4 ans. Il peut mentir. Ça veut dire, j'entends par là mentir, il est beurré, quoi, tout simplement. Il est tombé sur les bons numéros, un coup, deux coups, trois coups, et puis il fait le beau avec ça. Bon, d'accord, je suis d'accord. Mais par contre, sur une quantité de chevaux et sur une carrière, il ne peut pas mentir. C'est pas possible. Donc le gars qui gagne partout, à toutes les générations, qui va gagner à Vincennes, qui va gagner en province, qui va gagner machin, bidule, et qui dure et qu'on voit qu'il progresse tout le temps, et qu'il peut pas faire ça par hasard. Oui, il est fort. Oui. Non, c'est obligé. C'est obligé. Son entraîneur aussi, ça lui fait du bien de changer de piste, non? Oui, aussi, oui. Oui, maintenant, on s'aperçoit qu'on est plus performant en province qu'à Vincennes. Hein. Quand on va à Vincennes, ça fait drôle. Hein. D'abord, Philippe, là, c'en est tout le monde, parce qu'il ne faut pas dire le contraire, tout le monde dit la mobilette, n'importe quoi, ça ira jamais sur ce cheval-là, mais en attendant, tous les chevaux qui montaient gagnaient. Avec la preuve, il était trié d'or, donc c'est pas un hasard. Il était très grand cavalier, parce qu'il était, il a été devant les autres, il a compris cette façon de monter là avant les autres, hein, et puis il a très bien fonctionné grâce à ça. Donc, Et toi, il t'a tué un peu? À moi. Cette moto d'avant, elle t'a tué. À moi, ouais, mais j'arrivais déjà sur le déclin, puis il n'y avait pas grand chose à faire tuer, je veux dire. Ouais, non. Il y en a d'autres à qui ça a peut-être fait mal. Hein, je me suis mis à trotter toute la semaine, 5-6 chevaux tous les matins, montés. Bon, au bout de 3 jours, je ne marchais plus. Donc, j'ai dit, c'est bon, c'est pas mon sport, j'arrête. Bonnes cartouches tous les ans vont au meilleur. C'est normal. Et donc, ils sont 10. 10 jockeys, maintenant, avant, après, ça sera toujours comme ça. À mon époque, moi, quand j'ai commencé ce métier-là, les gamins, on était à l'école de Graigne, on baillait devant les Yves Dreux, les Michel Lenoir, les BKR, les Laurent, Jean-Marie Monclin, tous ces gars-là, ils nous faisaient rêver parce que c'était des super cavaliers. Quand on a commencé à monter en course, ils étaient là. 10 ans après que je montais toujours des gens, ils étaient encore là. 20 ans après, ils étaient encore là. Alors bon, je veux dire par là que ça laisse pas beaucoup de place à tout le monde, quoi. Donc si t'es bon, eh ben tu le fais savoir. Et puis on commence à t'en donner, quoi. Les bons qui sont sortis à mon époque, c'est Dersoir, Abrivard et tout. Bon, ils ont monté des champions, ils ont gagné des Cornuliers, ils ont gagné. Moi, j'en ai pas gagné. Donc voilà, ils étaient bien meilleurs que moi, tout simplement. C'est pas facile. Mon père était chauffeur routier. Hein, et ma mère, elle est restée à la maison, elle m'a élevé mes 4 sœurs, mon frère et moi. Hein, donc mon père, il m'a juste donné l'heure, c'est tout. C'était la seule chose qu'il avait à me donner, c'était l'heure. Puis des coups de pompe au cul, c'est tout. Hein, vous travaillez cheval, vous dormez cheval, il va falloir vouer sa vie à ce métier-là. Si vous voulez réussir, après vous pouvez faire ce métier-là en étant... Et il n'y a pas de déshonneur à ça, surtout pas.
hein, employé dans une écurie, et puis vous avez votre vie à côté, et puis tout ça. Moi, personnellement, en démarrant de rien, j'ai tout donné pour mon métier. J'ai tout mis à côté. Tout ce qu'il y avait à côté, je veux dire, j'ai rien vu. Je sais pas si je sais, j'ai pas emmené une fois mes enfants à l'école de ma vie. Pas une fois de ma vie. J'en ai un qui a 20 ans aujourd'hui, l'autre qui en a 17. Merde, le con, ils sont déjà partis et puis j'ai rien vu moi. J'ai tout mis dans mon métier. Bon ben voilà, c'est tout. Maintenant, si vous voulez le faire en partant de rien, en partant avec quelque chose déjà où les gens qui vous précèdent ont travaillé pour vous, c'est compliqué. Mais si vous partez de rien, ça va être compliqué et très long. Et après, une fois que vous avez basculé à aimer le cheval au départ, il faut continuer de l'aimer toute sa vie, bien évidemment, sinon vous ne pouvez pas le supporter. Mais après, il faut aimer la façon de vivre de cette profession-là. Ça veut dire qu'il va falloir travailler tous les jours. Tous les dimanches, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller aux courses. C'est pas d'aller se promener à je sais pas où, à la plage ou machin bidule. Ça n'a pas de sens. Ça. Vous n'avez même pas envie de partir en vacances. Vous n'avez même pas envie de tout ça. La seule unique envie que vous avez, c'est de travailler. Parce qu'il n'y a que là qu'on doit se plaire. Il n'y a qu'à travailler qu'on doit se plaire. Alors bon, vous le faites, et puis si ça vous réussit, c'est bien. Si ça ne vous réussit pas, c'est dommage. La seule richesse que j'ai reçue étant jeune, c'est l'éducation. Et c'est pas rien, c'est très important. Je voudrais toucher un bon cheval. Je voudrais toucher un bon cheval. Parce que je ne voudrais pas arriver et le toucher à... Bon, c'est même si c'est tard, c'est bien. Mais non, je voudrais le toucher encore là. Dans les 4-5 ans là, pour vraiment mettre un bon coup de pied au cul là, pour dire bon voilà, on va faire ça, on va finir notre truc comme il faut, on va assurer un peu nos arrières sur certaines choses pour récompenser toutes ces années que j'ai pas été là, que j'ai pas été chez moi et puis que j'ai travaillé comme un. J'ai pensé qu'à moi, quoi, qu'à ma profession, j'ai pas pensé à chez moi. Donc voilà, faudrait que j'arrive à faire ça et puis qu'on soit bien, parce que là en ce moment on tourne bien, mais on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité, on est toujours en train de travailler pour, on va gratter 500, 1000, 2000, des fois plus là, par là-bas, à droite, à gauche. Et puis avec tout ça, à la fin de l'année, on fait un petit tas, puis tiens, on donne à tout le monde et puis bon, il ne reste rien, baiser. Faudrait un bon coup de pied au cul pour dire voilà, il va nous en rester et on va pouvoir se mettre bien. Philippe Dojard avec son cheval, c'est génial, c'est un bon mec ça, c'est un bon mec. Voilà, il tombe sur un bon cheval aujourd'hui, il est jeune, il est en pleine dans le bon âge quoi. Hein. Voilà, avant, est-ce qu'il aurait été capable de l'entraîner comme ça? Je n'en sais rien, je ne le juge pas, surtout pas. Hein. Et maintenant, il a son expérience à lui, il a son assurance à lui, et pan, il tombe sur le bon cheval, il est capable d'aller leur faire la cerise là-bas à l'étranger, il n'a pas été chercher personne pour le mener, son bourricot, il l'a mené lui-même. Et puis, il a montré à tout le monde qu'il était capable de le faire. Hein. Donc, c'est très bien. On peut bosser toute sa vie, travailler et avoir la foi. Mais il faut quand même arriver à se retrouver un petit peu de temps en temps sous la gouttière, quoi. Hein, parce que si tu le fais toujours pour rien, ça finit par être fatigant, quoi. Donc on gagne des courses, on machin. J'ai des chevaux intéressants dans mes boxes, des chevaux que j'aime bien. On gagne des courses tous les ans, voilà. C'est pas à la rue Michel, mais bon, on arrive à joindre les deux bouts. Maintenant, ce que j'en voudrais un, à moi, qui soit bon, de ce niveau-là. Voilà. Soyez prévenus dès qu'une vidéo est postée en vous abonnant gratuitement sur Facebook Adoteur, YouTube Adoteur et bien évidemment Twitter Yann Adoteur. Vous avez également la possibilité de nous regarder sur le site adoteur.com bien évidemment.